De l'épître de saint Paul apôtre aux Romains. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car en me faisant passer sous la loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. Antienne, Magnificat, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ et Seigneur.
Adressons ce soir notre prière au Christ, vainqueur de la mort. À l'heure de ta passion, tu as étendu les bras. Soutiens ton Église dans sa lutte pour la foi et la justice. Tu as crié vers ton Dieu. Entends le cri des abandonnés. La lance a transpercé ton cœur, désaltère les pécheurs aux sources de l'eau et du sang. Tu es sorti vivant du tombeau, aux captifs de la mort, ouvre ton jardin de vie. Fils de l'homme élevé de terre, attire tous les hommes dans la gloire du Père. Notre Père, Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, vous garde en sa fidélité pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons